Je veux saluer par la même occasion tous ceux que je n'ai pas salués ici, mais également tous ceux qui sont par Internet, qui nous suivent au travers de ce qui est mis par Internet, dont on vous salue là-bas où vous êtes, et que l'Éternel puisse vous bénir et vous faire grâce encore une fois ce matin au travers de sa parole et le temps que vous mettez à part pour passer du temps avec lui et à ses pieds comme Marie, la bonne part qui vous sera point enlevée, d'être aux pieds de Jésus pour recevoir ce que Jésus a pour vous. Le titre du message ce matin, j'avais une liste de titres de messages un peu spécial et je n'ai choisi un plus correct et le titre est « Il est le Dieu des vivants ». Je trouvais ça correct, hein? Sur Internet, les gens ne se poseront pas trop de questions. Je ne vous dirai pas tous les autres titres que j'avais parce qu'il y en a un peu spécial, mais il est le Dieu des vivants. Vous allez voir pourquoi quand je vais apporter mon passage, mais juste pour faire un petit résumé rapidement de la semaine passée, où on a parlé de la prière de Néhémie, si vous vous souvenez, notre cher fidèle Néhémie, qui était une grâce de Dieu pour le peuple, parce qu'il avait à cœur, Dieu lui avait mis à cœur de prier pour la situation du peuple. Et Néhémie était rempli de compassion encore là. C'est une grâce de Dieu. Lui, il était bien, il avait son service, il servait le roi, il était quand même bien où il était, mais son peuple souffrait. Il était animé de ce désir que ça change pour le peuple, ça change pour son peuple, les gens qui l'entouraient, mais les gens qui étaient à Jérusalem également aussi. Et il voulait que le peuple retrouve sa place parce qu'il savait où était la place des enfants de Dieu ou du peuple de Dieu. Il voulait, et bien sûr, intercéder auprès du Dieu des cieux pour que le peuple puisse reprendre sa place. La prière qu'il a fait, c'était une prière de foi, mais une prière de foi dans la volonté de Dieu parce qu'il priait selon la volonté. C'est Dieu qui avait inspiré tout ça, ce retour de son peuple dans son pays, la reconstruction du temple et des murailles de Jérusalem. C'était une prière de foi selon la volonté du Dieu des cieux. Il est allé vers le Père, il a invoqué ce Dieu-là comme il l'appelle le Dieu des cieux à plusieurs reprises dans ce livre-là. Et il a invoqué ce Dieu des cieux pour sa grâce. Accorde-nous ta grâce, ô Dieu. Mais la grâce qui agissait déjà dans la vie de Néhémie, mais dans la vie, dans la situation, dans son ensemble, parce que Dieu, après 70 ans, avait déjà décidé dans sa grâce de ramener son peuple et redonner, et rebâtir, relever les forteresses, les murailles et le temple aussi. La grâce qui agissait déjà dans ce grand plan de Dieu agissait dans le cœur de Néhémie en faveur du peuple. Néhémie dit au chapitre 1, comme on l'a vu la semaine passée, « Lorsque j'entendis ces choses, lorsque j'ai pris conscience, mes yeux se sont ouverts, j'ai réalisé que ça n'avait pas de bon sens, où était le peuple. Il fallait que ça change. Mais si je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. » Un vrai réveil dans son cœur, grâce de Dieu. Il n'a pas dit que Dieu s'en occupe. Il n'a pas dit que Dieu s'en occupe. De toute façon, je suis le petit échanson du roi, je sers, là, je suis un goûteur et je ne peux rien pour le peuple. Que les autres le fassent, parce que moi, j'ai de la difficulté, je n'ai pas de moyens. Que les autres le fassent. De toute façon, on ne peut rien. C'est comme ça. Je ne sais pas, ce n'est pas ma responsabilité. Il aurait pu dire des choses semblables, pas vrai? Mais ce n'est pas ce que Néhémie a fait. Il a prié le Dieu des cieux. Il dit, ça ne peut pas rester comme ça. Il n'a pas dit, ils s'arrangeront. Mais on peut être endurci, nous aussi, face au peuple, face aux autres, face au monde, les gens dans le monde ou d'autres peuples. Mais il se sentait concerné, notre Néhémie. Il dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Toi qui gardes ton alliance, toi qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Le bouclier de la foi dans la vérité de Dieu. Qui il est vraiment? Qui il est? Une proclamation de la grandeur de Dieu, comme on le fait au travers de la louange. Tout est grâce, mais tu es grand, Seigneur. Tu es grand, tu es le berger qui conduit. Une proclamation de la fidélité de Dieu, où Néhémie disait, tu gardes ton alliance. Une proclamation de la miséricorde de Dieu aussi.
Tu fais miséricorde. Tu fais miséricorde. Ça commence bien une prière, c'est ce qu'on avait dit la semaine passée aussi. Il dit, tu fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. On accroche un peu là. Pas vous? Moi, j'ai stoppé là, j'ai dit, tu accordes miséricorde à ceux qui le méritent. C'est un peu ça que ça dit. À ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Avant que je me convertisse, j'étais loin de ces deux critères-là. Mais Dieu m'a fait miséricorde. Est-ce qu'il a dérogé à sa parole? Il m'a fait miséricorde. Sans l'action de son pardon, de sa grâce, de sa puissance, je serais encore dans l'incapacité de rencontrer ces deux critères-là, de l'aimer et d'accomplir ses commandements. J'étais tout croche, mais Dieu m'aimait. Il m'a attiré à lui et m'a pardonné. Et après, dans l'ordre, je me suis mis à appliquer ses commandements à ma vie. Mais même encore là, c'est lui qui le faisait au travers de ma vie par son Saint-Esprit. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons, pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Avant ça, j'étais incapable de l'aimer. J'ai arrêté de le blasphémer le jour où je me suis converti. Ça a changé dans ma vie parce que l'Esprit produisait autre chose dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées. Et je me suis rendu compte, mon Dieu, il faut que j'arrête ça. Je ne peux pas continuer à blasphémer le nom de Christ ou utiliser le nom de Christ et en faire un verbe comme le reste du Québec. On dirait que c'est rendu dans la langue québécoise. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Romains 5, 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Nous étions encore pécheurs, nous étions sans force, sans vie. Avant qu'on l'aime, Christ est mort pour nous. Avant qu'on pratique ses commandements, Christ est mort pour nous, afin de nous donner la capacité. Il m'a fait miséricorde afin que je puisse être capable de pratiquer ses lois et de l'aimer. On loue Dieu ce matin, puis on élève son nom parce qu'on le connaît, parce que son esprit habite en nous et on a vu sa grandeur. Nos yeux se sont ouverts à qui il est. Avant que je sois capable, Dieu m'a fait miséricorde. Mais imaginez tous ces gens-là sous l'ancienne alliance, où Dieu exigeait l'amour et de respecter, d'accomplir, d'obéir aux commandements de Dieu. Ça ne va pas être facile. Mais Dieu voulait montrer l'échec et l'impuissance de l'homme pour qu'il puisse accepter l'œuvre de Christ sur la croix. La capacité qui nous est donnée en Jésus par le miracle de la nouvelle naissance. Nous vivons aujourd'hui parce qu'il nous a donné la vie. Nous marchons en nouveauté de vie par la vie et le souffle qu'il envoie, qu'on a dans nos vies par le Saint-Esprit. Et ça, c'est le plus grand miracle. On a parlé mercredi passé avec André Marc. Le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance, comment Dieu donne la vie, transforme la vie. Nouvelle création, nouvelle créature. Nous étions morts, et on le dit souvent, sans même réaliser qu'on était morts. Et à quel point on l'était. À quel point on était mort, séparé de Dieu, séparé de cette vie en lui, de ce qu'il avait pour nous. Puis on était loin d'être à la hauteur pour l'aimer et d'obéir à ses commandements. J'ai pas beaucoup. Hier, je me suis mis à raconter à quelqu'un. Un ancien trait de ma vie avant de le connaître, mes crocheries, comme on peut les appeler, qui paraissaient si normales. Mais quand on raconte certaines choses, on voit, oh, Dieu a fait toute une transformation, je serais incapable de faire ça aujourd'hui. Je ne vous compterai pas c'est quoi, là. Mais je m'arrangeais pour avoir une plus grosse paye. Pas donner à la personne qui...
qui me payait ce qui lui était dû, mais je tirais sur le bord de ma couverte malhonnêtement pour en avoir un peu plus. Mais des fois, tu t'arrêtes, hey, j'ai fait ça. Et merci Seigneur que j'ai changé. Vraiment changé. Dieu a fait comprendre cette réalité-là dans ses écrits du prophète Ézéchiel. On l'a mentionné plusieurs fois, comment cette promesse-là, du miracle que Dieu fait avec l'être humain qui est incapable, dans Ézéchiel 36, qu'on ne lira pas. Je pense que je l'ai mis, Ézéchiel 36, je l'ai mis quand même. Mais où Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je ferai en sorte que vous puissiez obéir à mes commandements, à mes lois, puis c'est d'être capable de l'aimer aussi. Il place en nous, comme on l'a vu un peu la semaine passée, le vouloir et le faire. Comme il suscite des Néhémies, le vouloir et le faire. Seigneur, il faut que ça change. Il nous rend capables, comme nous dit ce passage, qu'on va peut-être revoir la prochaine fois, mais ce matin, on va voir un autre passage qui suit celui-là. Et pour nous faire réaliser, puis peut-être qu'on ne réalise pas assez à quel point on était mort, et tellement mort, plus mort que mort. Avant de venir à lui, c'est sûr, privé, séparé de lui, de son amour. Et ça nous aide à réaliser à quel point. Dans Ézéchiel 37, qui suit Ézéchiel 36, Dieu enrichit au travers la vision que son prophète, qu'Ézéchiel a reçue. Ça nous dit au verset 1 d'Ézéchiel 37, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Voyez l'image? Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Très morts. Plus que Lazare, on dirait. Hein? Peut-être Lazare, on aura encore un petit zèle pour dire, Seigneur, Lazare sort. Mais là, quand on regarde ça, on ne se demande pas trop s'ils vont se relever. Tu ne pries pas pour la guérison. Impose les mains, un crâne, un os ou un bout de pied. Seigneur, guéris. Très mort. Il me dit, fils de l'homme, ses os pourront-ils revivre? Et là, j'ai beaucoup aimé la réponse d'Ézéchiel. Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Soit qu'il cachait son doute, ou c'était complètement de la foi en son Dieu qui connaît toutes choses. Il est omniscient. Pourquoi tu me poses la question? Tu es Dieu. Tu connais toutes choses. Tu le sais, toi. C'est de la foi dans la toute connaissance de Dieu. Et j'admirais sa réponse. Je dis, « Il est sage. » Contrairement à Pierre, hein, devant Jésus qui expliquait l'œuvre de la croix, « Je vais mourir, je vais être sacrifié, ils vont me mettre sur une croix et troisième jour, je vais ressusciter mon Pierre » qui disait, « Oh, ça ne t'arrivera pas parce que je suis là. » Il contredisait Jésus pour dire, « Ça ne t'arrivera pas, non, ça ne t'arrivera pas, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. » Mais lui, plus sage, regarde les eaux, tu le sais. Donne la sagesse. Mais il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. C'est ce qui est positif aussi dans ça. Il me dit, et là, Dieu lui dit, prophétise, parle de ma part, prophétise sur ses os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il n'a pas dit, écoutez aux morts. T'sais, il n'a pas dit, parle aux morts. Il a dit, parle aux os. T'as un crâne, ça n'a même pas d'oreille. Ça a failli être mon titre, « Les squelettes n'ont pas d'oreilles ». Mais je trouvais que ça faisait un peu bizarre. « Est-ce qu'on peut parler aux morts? Est-ce que les morts nous entendent? » Mais là, prophétise, parle de ma part sur ses os.
Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Vous couvrirez, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Mais on s'entend-tu qu'il partait de loin? Il partait de loin. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Et je prophétisais, je parlais de sa part, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'eux d'esprit. Verset 9, il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise encore une fois. « Fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait. Bien sûr, on parle d'une vision. On parle qu'il a vécu cette chose-là en esprit. Et il y a un grand message au travers de tout ça, verset 10. Je prophétisais, j'ai parlé de la part de Dieu selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Dieu avait enrichi Ézéchiel 36, qui mettra un esprit, un cœur nouveau, et il fera en sorte qu'on puisse obéir ses commandements. Mais au chapitre 37, il nous fait réaliser qu'on part de loin. Puis il veut que le peuple réalise qu'il part de loin. C'est un grand miracle que Dieu fait. C'est une grande vérité suite à Ézéchiel 36. Ça veut dire, en réalité, vous n'êtes vraiment pas capable. Humainement. Mais je donne la vie aux morts. C'était aussi un de mes titres. Il donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Révélation. Cette parole, cette révélation nous parle du miracle de la nouvelle naissance, de la résurrection. C'est plus qu'un petit changement dans nos habitudes de vie. C'est plus que dire, ouf, je vais aller à cette église-là, je trouve ça cool, les gens sont fins. C'est plus que ça. C'est plus qu'un choix. C'est plus que des efforts humains de faire quelque chose. Bien sûr, s'approcher de Dieu, c'est bien. Mais on a besoin d'une résurrection parce qu'on part de loin. Elle nous parle de notre incapacité à faire partie du peuple de Dieu par nos propres forces. Ce n'est pas possible sans son intervention, l'intervention divine. Ce n'est pas possible d'aimer Dieu et de suivre ses commandements. C'est vraiment par sa grâce. Tout est grâce. Il n'y a pas plus mort que des os, puis sec en plus. Même d'avoir des muscles, d'avoir des nerfs, d'avoir de la peau, ça ne fait pas de nous des vivants sans l'Esprit de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus parlait à des religieux, vous connaissez le passage dans Jean 3. « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » C'est comme qu'on ne peut pas s'attendre à ce que des eaux desséchées marchent comme des vivants. Qu'ils puissent faire partie de l'armée de Dieu, l'armée nombreuse de Dieu. Pas plus qu'on peut convertir qui que ce soit sans l'intervention divine. Mais on peut prophétiser. On peut parler de la part de Dieu selon l'ordre que l'Éternel nous donne. Allez prêcher la bonne nouvelle, annoncer à toutes les nations cette bonne nouvelle. Dieu nous donne une direction. Prêchez la bonne nouvelle. Jésus a donné à ses disciples cette direction-là aussi. Promesse de la nouvelle alliance. Bien sûr, on peut prier aussi. Prier, Seigneur, convainc les cœurs. Seigneur, visite une telle personne.
que tu puisses lui parler, que la parole qu'elle a entendue puisse porter son fruit. Que l'Esprit, le ministère de l'Esprit s'accomplisse dans les gens du peuple qui nous entoure, de convaincre de péché, de justice et de jugement. Seigneur, accomplis ton œuvre afin qu'ils puissent réaliser leurs besoins. Réaliser qu'ils sont morts comme des eaux desséchées sans l'Esprit de Dieu. On le réalise lorsqu'on se convertit. Hein? On s'entend-tu lorsqu'on on voit la parole de Dieu, lorsqu'on vit cette nouvelle naissance? On le réalise comme on pouvait être mort et que ça prend vraiment une intervention divine. L'Esprit du Seigneur est sur moi, on nomme souvent ce passage. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Rendre libres ceux qui sont captifs, apporter la délivrance et publier une année de grâce du Seigneur. Prophétise, parle de la part de Dieu. Des fois, la prophétie, on voit ça, c'est tellement divin et tellement au-delà de ce qu'humainement. Non, la parole de Dieu est prophétique. La parole de Dieu qu'on proclame vient de lui. On parle de la part de Dieu. Bien sûr, ça peut être divinement inspiré par le Saint-Esprit ou une parole descend. Mais il place sa parole en nous. L'Esprit habite en nous. Les paroles de la Bible sont esprit et vie. Ces paroles sont esprit et vie et on les proclame avec cette direction de le faire. Certains vont dire que cette promesse, ça concerne le rétablissement d'Israël physique, le peuple juif. Et moi, je crois que ça concerne l'Israël spirituel. Nous, l'Église, le corps de Christ, la grande armée nombreuse, le peuple de Dieu, l'épouse, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui étaient des eaux desséchées, qui sont revenus à la vie, qui ont repris vie par son esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant celui qui construit, tu seras aplani? Et ça, c'était tellement une grande montagne, autant que des eaux ne peuvent pas vivre, autant que quelqu'un sans l'Esprit de Christ ne peut pas hériter de la vie éternelle et de naître de nouveau. On pourrait être des bons religieux comme Nicodème, ça ne suffirait pas. Et ce matin, qu'on puisse réaliser qu'on part de loin. Puis la grâce est tellement grande, la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ par son sacrifice. Et que ça puisse nous dire, waouh, j'ai tellement le goût de le louer, j'étais tellement incapable, mais Dieu m'a tout donné par grâce, la vie éternelle, l'assurance que je vais passer l'éternité dans sa présence et je vais vivre cette bénédiction éternelle. Mais en plus que j'ai évité le jugement qui m'était réservé. Des fois, on l'oublie, on parle de bénédiction, mais la bénédiction, c'est aussi ce qu'on a, on a échappé au jugement. Il nous a fait grâce, il nous a graciés. Éphésiens 2, verset 4, nous dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Paul connaissait la miséricorde de Dieu comme Néhémie la connaissait, tu es miséricorde, riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des eaux desséchées, secs au milieu d'une vallée, d'un désert, on était morts par nos offenses. » Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Sauvés d'une mort éternelle. Il a changé ça pour une vie éternelle à partir d'aujourd'hui. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer, de révéler aux nations, de révéler aux autres que le voile soit ôté, que les gens voient. Dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus, en Jésus-Christ. Quelle bonté! Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Aucun mérite, aucun mérite.
Ah, mais lui, c'est un bon chrétien, aucun mérite. Nicodème, ça en était tout un. Il avait besoin de naître de nouveau puis d'accepter le sacrifice de Jésus. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Est-ce que des eaux secs peuvent faire quelque chose? Accepter la grâce de Dieu pour le salut puis le reste aussi. Puis toujours se voir comme ça. On est grand parce que Christ, on est pardonné parce que Christ est dans nos vies. On est des enfants de Dieu parce que Christ nous a fait de nous, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est capable de marcher dans ses voies, oui, parce qu'on le désire, que le Saint-Esprit place, que sa parole place en nous. Et si on décide de vivre encore dans le péché ou dans la désobéissance, on va en payer les conséquences. C'est une réalité. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on puisse les pratiquer. C'est pour ça qu'on ne peut pas imposer les œuvres à des eaux desséchées. Souvent, les gens ont de la difficulté dans la louange, dans l'Église, parce que ce n'est pas dans le cœur. Ils viennent à l'Église et ils trouvent ça long, parce que, à quelque part, peut-être qu'il y a de quoi qui ne s'est pas passé. Bien sûr que moi, j'ai accepté le Seigneur, puis 6 mois plus tard, j'ai connu les Églises. Fait qu'à quelque part, il s'était passé quelque chose dans mon cœur. Mais on ne peut pas imposer la marche en nouveauté de vie à des eaux desséchées. Mais on peut prophétiser afin de conduire les gens à ce miracle. Ça, c'est notre responsabilité aujourd'hui, si on connaît, bien sûr, si on a vécu ce miracle. Nicodème, c'est un grand, grand, grand religieux qui connaissait la loi et était incapable de saisir même les paroles de Jésus. Beaucoup suivent une religion. On connaît bien des religions. Puis par ces religions, ils s'attribuent bien des mérites. Et le ciel à la fin de le jour. Mais beaucoup vont faire un saut. On peut prophétiser, conduire les gens au miracle. Miracle que Dieu veut accomplir dans cette vallée d'ossements. Ces eaux pourront-ils revivre? Des cas désespérés, ça c'est une réalité. Seigneur éternel, ces eaux pourront-ils revivre, Seigneur éternel? Tu le sais. Tu le sais, Seigneur. Puis pas juste que tu le sais, tu es capable. Tu es capable. Il n'y a pas de cause perdue pour le Seigneur. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur nous conduit. Néhémie continue sa prière, lui aussi, je suis sûr, conduit par cette compassion, cette empathie, ce désir de voir un changement par la grâce de Dieu. Que ton oreille soit attentive au Dieu, verset 6. Que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment. Ouvre tes yeux, ô Dieu. Ouvre tes oreilles, comme si Dieu n'entendait pas, comme si Dieu ne voyait pas. C'est lui qui a suscité cette prière dans le cœur de Néhémie. C'est sa volonté, son désir de rétablissement. Dieu nous donne ses paroles, ses inspirations. S'il y en a un qui voit, qui entend, qui comprend, qui sait quelque chose, c'est bien lui. Seigneur, vois. Mais dans le fond, sa prière, c'est bien plus pour s'ouvrir lui-même les yeux. Ça vient du propre cœur de Dieu. C'est selon sa volonté, c'est suite à la révélation qu'il a reçue. Le Saint-Esprit inspire ses enfants. Le Saint-Esprit m'inspire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vous inspire de parler de la part de Dieu. Parle à ses eaux, prophétise, parle de la part de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit inspire des paroles. Dieu a des plans qui nous dépassent, au-delà même de ce qu'on peut imaginer, penser. On n'en parlerait pas, mais... Les pensées de Dieu nous dépassent.
Et des fois, ça m'arrive juste de penser, Seigneur, on risque tellement, au travers de l'œuvre que tu veux accomplir, d'être dépassé plus qu'on pense, parce que tu peux faire au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Dieu sauve des nations. Il ne faut pas limiter Dieu. C'est le quartier qu'on va acheter pour agrandir l'Église. Ah. Seigneur, Dieu inspire des prières. Avez-vous déjà eu des prières à cœur pour quelque chose? Dieu inspire des prières. Le Saint-Esprit inspire des prières parce que Dieu veut accomplir ces prières qui l'inspirent, qui poussent les gens à prier. Pour des eaux desséchées, peut-être des causes perdues, des choses qui nous dépassent, des incapacités, des montagnes qui sont devant nous. Dieu inspire des prières qu'il veut accomplir. Croyez-vous ça? Mais qu'il puisse nous inspirer, comme on fait le mardi, de prier pour les nations, de prier pour les ministres qu'on n'a pas le goût de prier pour eux autres, puis prier pour des gens qui ne le méritent pas, puis de prier pour des gens qu'on n'a pas le goût. Mais le Saint-Esprit nous inspire parce qu'il veut faire de grandes choses. Et on ne doit pas limiter Dieu. Peu importe ce qu'on regarde, on dit, c'est une cause perdue. Je ne voudrais pas être au ciel avec lui. Mais Dieu l'aime. Il faut réaliser qu'on était dans la vallée des os, les ossements desséchés, qu'on n'est pas mieux que les autres. Même si aujourd'hui, on est rendu meilleur par la grâce de Dieu, plus capable de l'aimer et d'accomplir ses commandements. Soyez inspirés. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, pour le peuple que tu appelles au rétablissement, pour l'Israël spirituel, Seigneur, les Québécois ou peu importe le peuple, le pays d'où vous venez, pour les ossements secs, en confessant leurs péchés, les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. La cause, ce n'est pas Dieu. La cause, ce n'est pas Dieu. Mais Éternel, oui, nous avons péché. Oui, les peuples ont péché. Oui, les gens ne te suivent pas, mais tu es celui qui donne la vie. Et si on suit à l'histoire de Néhémie, on va le voir peut-être dans l'avenir, mais c'est celui qui donne vie à des pierres ensevelies. Hein? Les ennemis du peuple de Dieu disaient, oh, qui bâtissent seulement... Voir s'ils vont donner vie à des pierres ensevelies. Oui, parce que Dieu donne la vie. Tout est basé sur le fondement qui est Jésus-Christ. Tu gardes ton alliance, tu fais miséricorde. Néhémie n'a pas essayé de se justifier ou de justifier le peuple. Ou se voir mieux que les autres. Ah, oh, le peuple a péché, le peuple est pécheur. Seigneur, comme Paul disait, aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 2 de sa lettre, au verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Il n'a pas dit non plus, Néhémie, « Ah, le peuple ne mérite pas ça. » Le peuple ne mérite pas de souffrir. Vous dites, oh, si tu l'aimais, Seigneur, tu accomplirais ceci ou cela pour lui. Tu ne permettrais pas que ça arrive. Si tu étais si puissant, tu ferais quelque chose. Style genre comme. Hein? Comme ceci, comme cela. On dit que parfois, on dit, Dieu, tu devrais, tu ferais. Tu... Comme si on pouvait dicter quoi que ce soit à Dieu. On est... Oui, par grâce, en vie, mais on était des ossements desséchés que Dieu a miraculeusement ramenés à la vie. On n'est pas ferré pour juger Dieu. Loin de là, pour tout ce qui se passe. Pas de place pour l'orgueil, même pas pour le bougonnage. Comment on dit ça, bougonnage, c'est-tu un mot? Ça existe-tu, bougon, bougonnage, bougonner, je bougonne, tu bougonnes? Ça se conjugue bien, en tout cas. Parce que quand tu tapes ce mot-là, bougonnage, mon ordi, on dirait qu'il ne le reconnaît pas.
comme nous autres, parfois, on ne le reconnaît pas non plus. Dans nos vies, je parle, hein? Pas en français, mais en vrai. Seigneur, la prière de Néhémie continue en disant, « Nous t'avons offensé, nous n'avons pas observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. » Ça, c'est un vrai réveil. Issu de la grâce de Dieu, comme on le dit, il le dit la semaine passée, comme on le dit cette semaine. Et la prochaine fois, on va parler de la grâce aussi. Seigneur, je te prie pour un réveil dans ma propre vie, que je puisse voir clair, mais dans la vie de ceux qui m'entourent, dans la vie des gens de ma famille. Peu importe, Seigneur, les gens de cette ville. Esprit de Dieu, viens convaincre, viens faire ton œuvre. Quand le Saint-Esprit sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convaincre. Esprit de Dieu, viens, Seigneur, convainc. Mon voisin, convainc. Celui à qui j'ai témoigné, convainc par ton esprit. Mais souvent, c'est dans l'épreuve que Dieu vient. Qu'on le veuille ou non, c'est dans l'épreuve que Dieu vient. Quand vous êtes venus à Christ, plusieurs d'entre vous autres, son frère à la main levée, là, qui vivait des épreuves, des difficultés, était vide, puis si, puis ça, on aimerait tout à peu près toutes sortes de situations où tout le monde lèverait la main. Dans l'épreuve, parfois, que la révélation vient parce qu'on crie à Dieu et on est prêt à ouvrir nos cœurs, notre intelligence. C'est dans l'épreuve. Pourquoi Dieu permet que ça brasse dans le monde? Ça brasse-tu? Et que ça brasse. Les peuples divisés, un peuple contre un peuple, puis le même peuple contre le même peuple, puis toutes les guerres qui arrivent là. Les uns planifient ça, puis pendant que les autres planifient autre chose, puis au Québec, ils doivent se planifier de quoi aussi. Mais bon, mais pourquoi ça brosse tant que ça dans le monde? Peut-être pour produire un éveil dans le cœur des gens, que les gens réalisent, hey, ça va pas bien. Y a-t-il quoi de meilleur ailleurs? Souvent, je dis merci à Dieu d'avoir l'espérance. Encore dernièrement, je dis merci, Seigneur, qu'on a l'espérance en toi, de cette vie parfaite. Dans le psaume 107, et je vais essayer de terminer bientôt, il ne m'en reste pas tant que ça. On va faire ça vite. C'est même pas le message que j'avais coupé la semaine passée, parce que j'avais coupé une partie, j'avais dit « c'était bon », vous vous souvenez? Mais je l'ai gardé pour la prochaine fois. Puis, Seigneur, fais en sorte que j'ai prêché ça, mais peu importe. Dans le psaume 107, on pourrait dire que dans sa grâce, verset 25, « Il fit souffler la tempête Dieu lui-même, qui souleva les flots de la mer. » Une grâce de Dieu que la tempête vienne. Es-tu capable de voir ça? Aujourd'hui, oui, peut-être que c'est la tempête qui a fait en sorte qu'on est venu au Seigneur. Et ça nous dit qu'ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue face au danger. Elle avait peur. Saisie de vertige, chancelait comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie, tous leurs moyens, leurs capacités, leurs ressources, leur orgueil. Là, ils se sont rendus compte qu'ils étaient pas mal des eaux desséchées, puis ils espéraient la vie. Dans leur détresse, crièrent l'Éternel. L'Éternel les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, les ondes se turent, et ils se réjouirent par la suite. Comme on le fait aujourd'hui, on se réjouit de ce que toutes ces tempêtes soient apaisées, qu'on ait trouvé la paix en lui, l'espérance du salut. Et Dieu les a conduits à bonne place, au port désiré. C'est la vie que je cherchais. Comme le fils prodigue, il fuyait la maison de son père, mais dans le fond, c'était la meilleure vie qu'il pouvait avoir. Le port désiré, le pays promis, le lieu que j'ai choisi, dit Dieu, où je veux faire résider mon nom. Verset 31, qu'il loue l'Éternel maintenant. On loue l'Éternel, comme on le fait aujourd'hui. Merci pour ta grâce. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles, en faveur de ses ossements desséchés. Qu'il exalte, c'est pas ça qui est marqué, mais faites le lien. Qu'il exalte Dieu dans l'assemblée des peuples et qu'il célèbre dans la réunion des anciens comme on le fait semaine après semaine. Il est celui qui change les fleuves en désert. Il est puissant. Change les fleuves en désert, les sources d'eau en terre desséchée. Les pays fertiles, il les change en pays salés à cause de la méchanceté de ses habitants. Un Dieu d'amour. Ces gens ne méritent pas ça.
Il faut s'en remettre à la souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu, prier que Dieu puisse donner vie à ces eaux desséchées. Que Dieu puisse souffler en eux l'Esprit. Mais aussi dans sa grâce, ce qui nous concerne, verset 35, je l'espère, il change les déserts en étangs. J'étais sec, mais il m'a abreuvé. J'étais affamé, mais il m'a rempli. Le pain de vie qui m'a donné la vie, les eaux vives qui ont rafraîchi mon âme. Les terres arides, il les change en sources d'eau. Alléluia! Il donne la vie à des eaux desséchées. Il me conduit, comme on le chantait un peu plus tôt, l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans le vert pâturage près des eaux paisibles, afin que je ne manque de rien. Verset 36, il y établit ceux qui sont affamés, fonde une ville pour y habiter. Il ensemence les champs, plante les vignes, ils en recueillent le produit. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Il ne diminue point leur bétail. Une armée nombreuse, tirée d'une vallée d'ossements desséchés. Merci Seigneur. Que ton oreille soit attentive, comme dit Néhémie, et que tes yeux soient ouverts, Seigneur, ce matin. Écoute la prière que tes serviteurs t'adressent aujourd'hui. Pour tes serviteurs, ce matin. Pour tes enfants, ce matin. Pour les peuples que tu appelles aussi au rétablissement. Seigneur, manifeste-toi. Pour ceux qui se sont égarés, Seigneur, ramène les fils prodigues. Qu'ils puissent réaliser leur vide, leur sécheresse. Qu'ils poursuivent du vent, Seigneur. Qu'ils puissent te connaître encore plus. Ramène ceux qui ont été égarés, qui ont été séduits. Ceux qui sont détournés de ta parole. On est prêt à leur prophétiser, hein? Apporter la parole de l'Éternel pour qu'ils puissent vivre ce rétablissement. Pour tout l'Israël spirituel que Dieu appelle. Dieu appelle des gens dans cette ville. Des enfants qui sont égarés, peut-être vos enfants. Peut-être, peu importe, vos voisins, vos familles, vos milieux de travail, peu importe, Dieu appelle. Et nous demande de prier, de proclamer la parole de Dieu à ses ossements desséchés afin qu'ils puissent reprendre vie, vivre ce miracle-là. Seigneur, Seigneur, je prophétise sur ces eaux. Je veux, Seigneur, ramène par ton esprit ces gens qui sont éloignés. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Seigneur, écoute la prière de ton serviteur. En toute humilité, on ne le mérite pas, mais en toute humilité, Seigneur, tu le fais pour moi, fais-le pour lui. Tu le fais pour moi, fais-le pour le peuple. Seigneur, tu le fais pour moi, fais-le pour mon fils. Fais-le pour mon frère, fais-le, peu importe, Seigneur, tu le fais pour moi. Viens, Seigneur, et je suis prêt à parler au Dieu Tout-Puissant en ton nom. Jésus. Tu es celui qui garde alliance. Tu es celui qui fait miséricorde. Alléluia. À ceux qui l'aiment, comme nous dit le passage, mais que lui-même a aimé avant, puis a rendu capable d'accomplir ses commandements. C'est quoi ton besoin ce matin? Quelle est ta prière? Quel est le cri? On en a des requêtes. Néhémie pouvait en avoir une multitude de requêtes pour lui ou pour des gens qu'il connaissait. Mais il s'en faisait pour le peuple. Il s'en faisait pour le peuple. Et ça, c'est divin aussi. Montrez-moi des gens remplis de l'Esprit. Ils vont être concernés par l'état spirituel des gens et leur destination éternelle. C'est quoi ta prière ce matin, Seigneur? Sauve mon fils. Seigneur, sauve ma fille. Seigneur, Seigneur, convainc par ton esprit. Bartimée, vous vous souvenez de Bartimée, je termine très bientôt. Jésus lui posait la question, que veux-tu que je fasse? Mais déjà, Dieu avait des choses prévues pour nous, des prières, des inspirations. Il met même dans nos cœurs là, cette compassion, cette empathie.
ne faut pas faire taire cette voix-là. Que veux-tu que je fasse? Oh, l'aveugle dit, je veux retrouver la vue, mais il y a tellement d'aveugles autour de nous qui ont besoin de voir. Seigneur, ils ont besoin que tu retires le voile, convainc-les, attire-les. Seigneur, par des songes, des rêves, Seigneur, qu'ils puissent se voir, qu'ils puissent réaliser leurs besoins. Seigneur, convainc-les. Et on sait que Bartimée dit, je veux voir. Et Jésus le guérit. La femme malade depuis 12 ans aussi. On a ça dans Bartimée, c'est Marc 10, et la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans dans Matthieu 19. Elle dit en elle-même, si seulement, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Jésus se tourna et dit, la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie alors même. Seigneur, Seigneur Dieu, conduis-moi, aide-moi à parler de ta part, mais aide-moi aussi, inspire-moi dans mes prières, afin que je puisse faire la différence dans les lieux célestes, pour que ça puisse produire du fruit. On a parlé de nouvelle naissance, de salut, de séparation d'avec le Dieu des cieux, de cette vie promise par Jésus. Et peut-être tu te demandes comment je peux naître de nouveau. C'est sûr que je vais te conduire dans Jean chapitre 3, où Jésus explique comment tu peux naître de nouveau, mais je ne connaissais pas ces passages-là, puis je suis né de nouveau, parce que je me suis abandonné, je me suis donné complètement. Ma vie, j'en voulais plus. J'ai dit, Seigneur, prends ma vie. Un abandon total au Dieu des cieux, mettant sa foi dans l'œuvre de la croix, parce qu'on ne mérite rien. Je n'ai pas eu de difficulté à reconnaître que j'étais pécheur, parce que, ouf, Dieu m'a béni par sa grâce, il m'a fait miséricorde afin que je puisse reprendre vie, avoir goût à la vie, puis avoir le désir de proclamer la parole de l'Éternel afin que d'autres puissent la recevoir. Peut-être avec la conviction aussi, tu te dis, je veux recevoir cette vie. Je veux recevoir cette vie. Cherche Dieu, tu vas le trouver. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste va vous être donné en plus. Ces eaux pourront-ils revivre? Seigneur, tu le sais. C'est oui. C'est oui. Les causes les plus perdues. Il peut. Il a tout accompli pour que ce soit possible pour ta vie. Romains 3, 23, en terminant, dernier verset, qui nous dit, « Car tous sont des eaux desséchées, mais rendus vivants par sa grâce. » Hein? C'est une traduction libre, mais ça reflète la réalité. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, graciés du jugement qui les sépare de Dieu, de leur péché, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, l'œuvre de la croix. Prions en terminant. Peut-être Catherine peut revenir au piano. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu connais toutes choses, tu connais les cœurs, tu connais les pensées. Tu sais tellement tout, Seigneur. Tu nous fixes des rendez-vous divins, comme peut-être que tu fixes un rendez-vous divin à quelqu'un aujourd'hui. Qu'il puisse reconnaître son besoin, qu'il soit à la maison, qu'il soit ici. Peu importe, Seigneur, au travers de ta parole et l'œuvre que tu veux accomplir, tu fixes ce rendez-vous, afin que les gens se tournent vers toi et acceptent la parole qui est annoncée. Parce que tu veux donner la vie au Éternel. Et que chaque personne puisse voir son incapacité de vivre cette vie, cette résurrection. Et qu'il puisse s'en remettre à toi, Seigneur, au travers l'œuvre de Jésus sur la croix qui a payé le prix de nos fautes, Seigneur. Ô Éternel, tu connais toutes choses et tu peux toutes choses, Seigneur. Et je te prie que par ton Saint-Esprit, tu puisses agir pour que ces cœurs s'abandonnent à toi, Seigneur.
comme tu le fais dans ma vie, Seigneur, que ces cœurs s'abandonnent à toi, là où ils sont, pour vivre au éternel ce miracle par le Saint-Esprit, qu'ils puissent goûter ta paix, qu'ils puissent goûter le soulagement d'avoir ce fardeau sur leur épaule qui est lourd sur eux. Seigneur, que tu puisses, par ton esprit, faire ton œuvre maintenant. Éternel, parle au cœur. Par ton esprit, ô Dieu, convainc, Seigneur, et donne vie. Si c'est ton cas, simplement demander pardon, Seigneur, pour mes fautes. Oui, je veux me repentir de mon passé, mais je veux que mon avenir soit en toi, par ta puissance, par ton œuvre, ton Saint-Esprit qui va me conduire afin que je puisse t'aimer et marcher dans tes voies, Seigneur. Vois mon incapacité, pardonne-moi, relève-moi, donne-moi la vie, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais ton œuvre maintenant. Et peut-être notre prière se tourne vers d'autres personnes ce matin, qu'on sait qu'ils ont besoin de ce miracle éternel. Je veux, à partir d'aujourd'hui, m'engager à prophétiser la parole de l'Éternel pour que les gens entendent vraiment cette parole qui donne vie, le pain de vie qui donne vie au monde, Seigneur. Aide-moi, conduis-moi, dirige-moi, ouvre des portes, Seigneur. Alléluia. Vois le peuple qui nous entoure, Seigneur. On sait que tu reviens bientôt et que plus encore soit prêt pour ton retour. Et peut-être notre prière ce matin, c'est un besoin qu'on a dans nos vies, une guérison, un besoin blessure, besoin pour pardonner, produire le fruit de l'Esprit, pour être victorieux dans des aspects de nos vies où on ne l'est pas. Ô Éternel, c'est toi qui donnes les capacités, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, afin que les gens ne se justifient pas de leur comportement, mais qu'ils puissent simplement se tourner vers toi, Seigneur. Toi qui peux et qui rends capable. Ô Éternel, tu connais chaque personne, tu connais les cœurs, les défis, les difficultés, les pensées, Seigneur. Je te prie que ton œuvre s'accomplisse ce matin, Seigneur, par ton esprit. Bénis ton peuple, Seigneur, qui écoute ce message et qu'il trouve dans ses paroles le réconfort, la vie, qu'il puisse être nourri, Seigneur, rempli d'espoir, ô Éternel, mais aussi de reconnaissance de la grandeur de ce que tu as accompli pour eux, ô Dieu. À toi soit la gloire, Père. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. 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 Alléluia.